Interstellar, le film de Christopher Nolan, a beaucoup fait parler de lui à sa sortie. Au travers des mésaventures de l'équipage du vaisseau spatial Endurance, on suit les tentatives désespérées d'une humanité prise au piège d'une planète qui ne parvient plus à subvenir à ses besoins. Indépendamment de l'avis des critiques et de l'accueil du public, tous les deux très favorables au film, il a souvent été dit combien ce film apportait une vision novatrice de ce qu'est un trou noir, une vision empreinte de réalisme. Aux côtés de Matthew McConaughey, le trou noir, véritable héros du film, se nomme Gargantua, et autour du géant gravitent des planètes qui pourraient bien représenter l'avenir de l'humanité. Les responsables des effets spéciaux du film, soucieux de représenter Gargantua de la manière la plus réaliste possible, se sont tournés vers les astrophysiciens pour que ces derniers leur fournissent les équations dont ils disposaient à propos des trous noirs. C'est l'astrophysicien Kip Thorne qui s'y est collé. Pour faire simple, ces équations ont été entrées dans les logiciels de génération d'images de synthèse, ces puissants ordinateurs qui aujourd'hui sont indissociables du cinéma de science-fiction. Et le résultat a été étonnant à plus d'un titre. Déjà sur le plan esthétique, il suffit de voir le film. D'autre part, en termes de connaissances, car les astrophysiciens ont vu apparaître des images d'une étonnante précision fourmillant de détails, leur permettant de mieux se figurer un phénomène jamais directement observé, bien qu'il ait déjà été décrit visuellement par l'astrophysicien français Jean-Pierre Luminet. Le film n'est pas exempt de défauts. D'ailleurs, intéressons-nous à la planète Miller, la première des planètes du système Gargantua sur laquelle doivent se rendre trois personnages du film, Amelia, Cooper et Boyle. Romilly, l'astrophysicien qui reste à bord du vaisseau spatial Endurance, leur explique que du fait de la présence de Gargantua et de sa gravité excessive, une heure passée à la surface de cette planète représentera pour lui 7 ans, soit un facteur de dilatation temporelle de l'ordre de 60 000. Hélas, de son côté, la physique énonce que bien que théoriquement cette planète puisse exister, elle n'est en rien réaliste. Pour obtenir une dilatation du temps de cette importance, il faudrait que tous les facteurs soient poussés à leur limite. Que ce soit la vitesse de rotation du trou noir qui devrait tendre vers son maximum théorique, ou bien encore l'orbite de la planète, qui devrait être au plus proche de l'horizon des événements, limite à partir de laquelle plus rien ne peut s'échapper du puits gravitationnel du trou noir. Donc, pas de planète Miller sur laquelle une heure serait perçue comme 7 années sur Terre, et si d'aventure une telle planète était un jour observée, les humains y seraient broyés sous leur propre poids. Ainsi, pas de vague géante de 1200 mètres d'altitude et pas plus de décollage express en surfant quasiment sur cette vague dévastatrice. Tout cela ne tenant aucunement compte des effets des forces de marée gravitationnelles qui auraient au fait de disloquer cette planète avant même que les humains aient l'idée saugrenue d'y poser le pied. Par contre, en matière de prospective, le film est riche en informations. En plus d'être un film de science-fiction, Interstellar se révèle être un film sur le mensonge. Il en comporte au moins 3, dont 2 seront révélés de manière quasiment simultanée. Ces deux premiers mensonges sont de l'ordre de l'individu et ils n'engagent que ceux qui y croient, même s'ils ont des conséquences pour l'avenir de l'humanité, en tout cas ils participent à la tension de la narration du film. Le mensonge, qui nous intéresse tout particulièrement dans une perspective prospectiviste, est proféré de manière tout à fait anodine dans les premières minutes du film. Et là, on quitte la responsabilité de l'individu pour s'engager dans le mensonge d'État. C'est l'enseignante de Murphy, la fille de Cooper, le futur pilote de l'Endurance, qui ne leur apporte ce mensonge. L'humanité, subsistant avec peine sur une planète qui lui est devenue hostile, les autorités modifient l'histoire pour, je cite, « ne plus gaspiller les moyens et les énergies de l'humanité à de vaines causes ». C'est ainsi que le livre d'histoire enseigne désormais que l'humanité n'a jamais mis les pieds sur la Lune et que les missions Apollo n'étaient qu'une gigantesque opération d'intoxication qui ont précipité la chute de l'ex-URSS. À bien y regarder, la petite Murphy est moins coupable d'avoir raconté à ses camarades une histoire prohibée, sa seule parole n'aurait pas pesé lourd face à celle de l'enseignante, que d'avoir apporté à l'école un objet devenu par essence hors la loi. Il s'agit d'un livre qui raconte l'aventure des missions Apollo et de leurs 6 alunissages. Par sa nature physique, un imprimé pérenne et immuable, le vieux livre qui date d'avant le contrôle de l'histoire est devenu un blasphème proféré à la face de la vérité officielle qui s'arrange avec les faits historiques. Ce mensonge fictif nous renvoie dans la réalité à notre civilisation qui plus que jamais confie à des outils online la diffusion de la connaissance. Cet accès en ligne à la connaissance et au savoir pose au moins 3 questions. La première concerne la distance historique que seul un média figé permet. Ainsi, il n'est pas inutile de se replonger dans des dictionnaires du début du XXe siècle afin de confronter notre connaissance contemporaine à des écrits qui nous paraîtront bien étranges ne serait-ce que par leur vocabulaire. Un exemple, le mot « nègre » est encore couramment utilisé dans des publications qui datent des premières décennies du XXe siècle.
La deuxième question pourrait être appelée la question de la pondération relative des informations. À une requête, un moteur de recherche va répondre par une multitude d'occurrences classifiées par ordre décroissant de pertinence selon les critères de son algorithme de classification. D'ailleurs, un bon webmaster saura faire remonter le ranking d'un site web quelconque. Ça n'est donc pas la pertinence encyclopédique qui préside à cette classification. On pourrait résumer la situation par une sentence qui énoncerait que « si Internet n'est que du bruit, n'y trouve que celui qui sait ce qu'il y cherche ». Pour finir, reste la question de la création permanente, en temps réel, d'une culture mainstream, d'une connaissance adaptée aux critères moraux du temps présent par une armée de contributeurs zélés et bénévoles. Sachant que la plupart du temps, l'utilisateur se contente d'une seule source encyclopédique et qu'il ne lit souvent que le seul chapeau de l'article concerné. Ainsi, sous peu, la culture occidentale pourrait bien finir par se nourrir d'elle-même, n'alimentant sa connaissance que de ce qu'elle souhaite entendre, dans une forme de cannibalisme intellectuel au risque du tarissement de la connaissance elle-même. Si bien que, sans y prêter garde, on pourrait bien un jour se retrouver confronté à un mensonge admis similaire à celui que les autorités, en la personne de l'enseignante et du directeur de l'école de Murphy, souhaitent voir toute la famille Cooper adhérer. Pour finir, on va s'intéresser dans le film Interstellar à ce qui se passe dans l'espace. On va noter comment la dernière séquence du film propose une vision merveilleuse et cohérente de ce que un jour la conquête spatiale pourrait bien être. On commencera juste par passer sous silence les performances exceptionnelles, quoique improbables, des navettes spatiales qu'utilisent Cooper et ses compagnons d'infortune. Que l'on considère les Rangers les plus petites navettes ou les Landers les vaisseaux de transport, le rapport performance sur volume apparent laisse perplexe, à moins d'admettre une invention de rupture géniale en matière de propulsion aérospatiale. Et l'on se demande où dans ces vaisseaux spatiaux est stocké le carburant quand on les voit enchaîner les va-et-vient entre le sol et l'orbite, comme l'on va chez le boulanger. Non, ce qui nous intéresse vraiment est le moment où Cooper se réveille dans son lit d'hôpital à bord de la station spatiale qui, miraculeusement, l'a recueilli à proximité de Saturne. Il regarde par la fenêtre de sa chambre, au loin des enfants jouent au baseball. Là, une balle frappée trop fort s'envole et va briser les vitres d'une maison. Une maison de l'autre côté du cylindre, de l'autre côté de l'axe de rotation autour duquel est bâti l'hôpital et toute la ville qui l'entoure. Si l'image est forte et juste, les décorateurs du film ne sont pas allés jusqu'au bout de leur démonstration. En effet, à bord d'une telle station, il n'y aura aucune surface plane, sinon les objets tomberaient des tables. Car à bord de la station spatiale Cooper, la gravité terrestre, une accélération centripète, est remplacée par la force centrifuge. En effet, la station spatiale est un cylindre qui tourne sur lui-même. Les personnes se tiennent debout, les pieds collés à la face interne du cylindre, la tête en direction de l'axe de rotation de ce même cylindre. À bord de cette station spatiale cylindrique, si une table est plate comme sur Terre, les objets auraient tendance à s'échapper en direction des bords. Explication. Sur cette table terrienne, plate, la seule zone d'équilibre gravitationnel est la ligne qui est la plus proche de l'axe de rotation de la station spatiale. En effet, dans cet univers cylindrique, un objet qui s'éloigne de part et d'autre de cette ligne, sur le plat de la table, s'éloigne aussi de l'axe de rotation, il est donc soumis à une force centrifuge croissante. À vitesse de rotation constante, cette force est proportionnelle à la distance de l'axe de rotation. Pour que les objets restent immobiles, que ce soit sur une table ou au sol, il faut donc que tous les plans épousent la courbure d'un cercle dont le rayon est la distance à l'axe de rotation. En tout état de cause, les futures stations spatiales seront un terrain de jeu formidable pour les designers et les architectes de demain. Les objets du quotidien, la maison, la ville, tout devra être à nouveau conçu. Sans parler des enfants qui, nés dans cet environnement cylindrique, auront à réapprendre à vivre dans un monde plat le jour où ils poseront les pieds sur une planète. Vivre l'avenir va être une aventure humaine extraordinaire, non ?